Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Banter Blitz avec notre ami Yannick Gozzoli. Le premier d'une longue série de joueurs qui ont joué la Banter Series et qui malheureusement, on a tous été dans ce cas, on n'a pas passé le premier tour, mais t'étais le plus proche. Au final, ah, avec Maxime Lagarde aussi. Maxime Lagarde était aussi pas loin. Il a été plus loin que moi même. Il a été plus loin que toi. Ouais, c'est vrai. Il a été plus loin que toi, mais ouais, il y a une impression de... C'était pas loin non plus, ouais. Avec ce match perdu contre Sugirov, c'est ça, très serré. Ouais. Et donc, voilà, on commence à tout seigneur, tout honneur. Tu es un de nos commentateurs stars. Donc voilà, c'était normal de commencer avec toi. On te retrouvera pendant le Champion Chess Tour qui commence... Le 23 novembre, la première étape, et il y aura une étape, bien grosso modo, chaque mois. Voilà, 11 étapes, je crois, au total. Donc, un gros programme. 11 étapes. Eh oui, ça y est, alors on est prêt. Bah, on est confiné jusqu'en 2023, alors c'est bon. Hein. Alors, allez-y, j'ai vu déjà une question. Salut à tous, évidemment. Je vais moi, vous quitter bientôt. Salut, Krusty est là. Échec et maths, Jean-Jean. Allez-y, défiez. Et JB est là aussi. JB, ah oui. Alors, moi, j'ai un chiffre à te soumettre avant de t'embêter. Je vais pas pouvoir t'embêter parce que alors, demain, je fais ce truc Halloween. Et j'ai déjà mon nouveau pseudo, donc je peux pas montrer. Je peux pas chatter avec vous. Si c'est pour parler de Champions League, c'est pas la peine. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Moi, j'ai juste un chiffre à te soumettre. Tu réfléchiras, c'est 11. Oui, je sais ce que c'est. 11, ça peut être 11 joueurs sur Internet Foot. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez fait une belle figure aussi contre Manchester la semaine dernière. Mais... Ouais, d'accord. C'est pas mal. Vous avez fait un beau match. À jamais les premiers. Bon, écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps, je vais te laisser jouer. Ah, tu m'as embêté là, hein? Tu m'as embêté là? Ah, mais non. Non, tu m'embêtais pas. Ouais. JB est de retour. Il est où, JB? Il faut quand même, je m'inquiète de son sort. Il est rentré à la Zomé, il a dit. Il est rentré à la Zomé? Ouais. Oh là là, il a pas la masse. Oh, il a pas la masse. Sûrement. Alors, c'est très énervant. Alors, pas la masse. Donc déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Frank Abagnale. Ah ben, c'est un Hollandais. Frank Abagnale, c'est Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. D'accord. C'est le rôle que joue DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Ah, il a cliché, JB? Ah ben, ça fait plaisir. Alors allez-y, défiez-moi, je prends tous les défis. Vas-y. Je vais commencer. Alors, les joueurs turcs, on va éviter parce que je sais qu'ils squattent tous les... Ouh là là. Déjà qu'il y avait un conflit entre Macron et Erdogan, un conflit ouvert là, ce soir. Ah non, j'ai absolument rien contre les joueurs turcs, c'est juste que le problème c'est que j'ai vu tous les banters et ils sont là dans tous les banters de tout le monde. Et ouais, mais ils profitent. Un banter de Anand, justement. Qui avait fait un match contre la Turquie en fait. Et ouais, mais bon, c'est aux Français aussi d'aller. Vous pouvez profiter à tous les Banter Blitz. On vous le rappellera jamais assez. On va commencer par Échec et maths. Alors un petit nouveau. Ce bon vieux Échec et maths. Ce bon vieux Échec et maths. Ok. Bah écoute, attends, je regarde si tout est bien en place. Et j'y vais. Alors t'as un élo quand même qui en rendrait jaloux plus d'un, dont moi, parce que je galère. Hein. J'ai perdu des points contre Zugirov, j'étais 3230, mais bon. Ah, j'ai pas joué depuis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur Chess24. Donc tu joues pas de blitz sur internet, c'est ça? Non, quasiment plus, ouais. Non, parce qu'il n'y a pas d'autres sites en fait. Ah bah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, il n'y a absolument aucun autre site possible. Bon, parfait. Donc, je vous rappelle évidemment qu'il faut être premium. Alors, si vous n'avez pas de... On a un petit code sous la main, là. C'est Soirée Mousse, 15%. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, la petite dame. Et tu connais la maison, de toute façon. Très bien. Mon cher Yannick, je te laisse. Et je reviens à la fin pour fermer le banc. Je serai là demain, après-demain. Et les jours, hein, je crois qu'on va faire un gros confinement. Je crois qu'on risque d'être ça pendant longtemps. Ouais. Allez. À plus. Alors, on a joué une défense Alekhine pour cette première partie, ma préférée. Et en fait, il n'a pas été très précis, notre ami Échec et Maths, parce que normalement, ce fou qui est en F4 actuellement devrait être en E3. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des petits problèmes sur la case D4. C'est pas facile à résoudre ces problèmes. On voit bien en fait toute l'idée de l'Alekhine dans cette position, puisque on voit mes deux cavaliers qui mettent bien la pression sur la case D4 et la case C4. Alors là, il joue le coup D5 qui me fait gagner un pion déjà. Je peux gagner un pion de manière forcée. Et je gagne ce pion en fait en faisant fou prend F3 intermédiaire. Alors bon, il peut faire G prend F3 bien sûr. Et après fou prend F3, en fait, je peux juste bouger le cavalier quelque part, principalement. Alors si je le mets en E5, il va prendre, il va protéger le pion. Mais si je le mets en A5, on voit ici que la case C4, elle est attaquée deux fois, et qu'il ne peut pas le protéger. Et je suis aussi très content parce que mon fou en G7, maintenant, il tape bien sur la diagonale. Donc j'ai le chat qui est ouvert aussi, hein. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre de manière le plus propre possible. Et je vous souhaite à tous déjà une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que cette annonce de confinement n'a pas été trop difficile à digérer. Les temps sont durs en ce moment, hein, c'est difficile, oui. Bon, après on peut toujours critiquer, dire que c'était pas la bonne solution, mais en même temps, c'est une solution et il faut l'accepter. Matoche, c'est la Matoche? C'est une autre Matoche? Vous me direz, j'en connais pas mal des Matoches. Mathilde est un prénom assez courant dans les échecs français. Alors, cavalier B5, je sais pas trop où il veut aller avec son cavalier. Je vais faire un petit coup d'A6, je vais lui demander. Je vais lui poser la question. En plus, il n'est pas très bien au temps. On voit que j'ai installé quand même un très beau cavalier sur la case de 5, qui pourrait être délogé que par le pion F. Donc du coup, il faudrait qu'il enlève tout le monde là pour pouvoir bouger ça. Alors j'étais tenté à jouer dame B6, qui intégrait une petite manœuvre, une petite menace discrète. Finalement, c'est peut-être pas nécessaire, et puis de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée. Comment je vais jouer cette position? Est-ce que je prends un F3? Non, moi je vais jouer dame B6 pour tendre le piège, et il l'a vu, c'est très bien. Bravo Vincent d'avoir vu cette idée. Donc bon, on va revenir, hein. C'était un petit coup d'épée dans l'eau, comme on dit. C'était pour tenter. Et il me fait du chantage à la nulle que je ne vais pas accepter du tout. Mais il faut que je trouve un moyen donc de réorganiser mes pièces. Alors je peux prendre un F3 ici. C'est un coup. Mais en fait je manque d'espace. Donc en général quand on manque d'espace on dit qu'il faut échanger des pièces. Alors c'est paradoxal de dire que je manque d'espace alors que j'ai du matériel en plus. J'ai mis la dame en D8 qui est peut-être pas très précis, j'aurais peut-être dû plutôt la mettre de l'autre côté en B8, ça aurait été plus logique. On va lui faire un petit coup de dame B6 pour réitérer encore une fois la menace et puis revenir, je sais qu'il va revenir aussi, mais c'était pour tester l'animal. Et on va jouer cavalier B6, animal testé. B6 qui est pas très beau d'ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça. Mais je vais encercler le pion, d'ailleurs je vais pas faire que l'encercler, je vais le manger. Je vais manger aussi celui-là. Et maintenant on va réinstaller tout ça. On va mettre un pion en D5. Voilà, les pions sur la diagonale du fou adverse, sur la couleur du fou adverse. Maintenant on va ramener Mémé du côté du roi. Pour aller voir un peu ce qui se passe, on va mettre une petite tour en D8. Et à tout moment, je vais pouvoir enfin m'infiltrer sur les cases noires pour aller mater mon adversaire qui n'a malheureusement plus beaucoup de temps à sa disposition. Et donc la partie devrait normalement, logiquement, pas tarder à s'arrêter. Voilà. Merci Échec et Maths pour la partie. Petite erreur, je ne sais pas si Laurent... si je reviens, est-ce que les coups se marquent ou pas? Mais la petite erreur, on va dire que c'était le coup fou F4, qui est pas hyper précis. Alors c'est pas une faute, mais en l'occurrence, moi j'en ai fait une de faute, je pense, après KC3, j'ai joué petit roc, qui était peut-être pas terrible. Peut-être qu'ici, il y a des idées à base de C5, des fois, qui existent. Donc, voilà. Mais le fou en F4, ouais, il faut pas essayer de maintenir ce pion en E5, parce qu'en fait, comme tu n'y arrives pas, au moment où tu vas prendre en D6, ton fou en F4 va se retrouver sans aucun rôle particulier. Alors que c'est ton pion D4 qu'il faut maintenir. Voilà, pour cette première partie qui je vais jouer. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Il y a... Ah, Sweet Harmony. Sweet Harmony. Salut Vincent. J'espère que tu vas bien. Ah, lui, il est capable de me faire ça. Ah bah non, même pas, je suis surpris. Donc je vais jouer une slave, hein, pour commencer. Je vais jouer une slave et je vais jouer même une semi-slave. Alors je suis très surpris du choix de Vincent, qui n'est pas connu pour être un théoricien hors pair et encore moins un joueur agressif. Mais il me joue une vraie semi-slave. Donc là, on joue une variante de Moscou, où il a pris en F6. Et là, j'ai joué le petit coup G6. Et le petit coup G6, il est intéressant des fois de ne pas développer le cavalier de suite sur D7, en fait. C'est assez intéressant. L'idée, c'est des fois, c'est de jouer C5 assez vite. Alors, A4, c'est très très bizarre, A4, comme coup. Parce qu'après A5, je manque d'espace, justement, et là, je vais pouvoir gagner en stabilité, notamment la case B4 pour une de mes pièces. Alors là, il joue cavalier E5, ça me dit que ça, je crois que Topalov avait joué, ça c'est Kramnik Topalov, mais il l'avait joué sans le coup A4. Je suis pas sûr que l'acclusion du coup A4 soit une bonne chose pour lui. Alors oui, bon, il met sa dame sur B3, d'accord, mais... Bon, je vais cahier D7 quand même. Alors est-ce que je peux faire... Je peux faire fou prend aussi, parce que fou prend, s'il prend, à la fin je pique B2, mais peut-être qu'il joue tour B1 et il va rentrer sur... Donc je vais faire dame prend. Je sais que c'est bizarre, dame prend. Là, on voit il a quand même un peu de mal à jouer quelque chose au centre. Je vais jouer dame E7 pour éventuellement aller mettre ma dame sur B4. Là, par exemple, je peux menacer des coups comme dame B4. Et j'ai cette paire de fous qui est, c'est vrai, pour l'instant pas hyper emballante, mais qui peut se réveiller à tout moment. Et quand elle va se réveiller, cette paire de fous, elle va pouvoir être très 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 dangereuse. Donc on va mettre une petite tour en D8. Et maintenant, on va mettre la dame en B4. Donc, je propose l'échange des dames, qui va certainement être refusé, voilà, je suppose. Et donc, il faut faire gaffe quand même dans ces positions à ce que je ne me fasse pas enfermer la dame. Mais ouais, j'aime pas trop son coup de A4, parce que justement, je vais quand même avoir beaucoup de facilité avec les blancs, avec les noirs, pardon, à ouvrir cette position. Je sais pas trop ce qu'il fait. Alors moi, je vais placer mes pièces, en fait, et je vais préparer l'ouverture du centre. Par C5, E5 ou par pion prend C4. J'ai une position plutôt agréable, je pense. Il attend, donc ça m'étonne pas de lui. On va jouer fou ici. Donc là j'ai mes deux tours qui sont plutôt bien placés. Le problème de C5 c'est que je vais avoir la case B5 qui va être faible. Par contre là je suis prêt aussi à prendre en C4 à jouer E5 dans certaines circonstances. Il attend vraiment, hein, le coquin, hein. Il me défie, là, hein. Il me provoque. Il me provoque. Alors moi, dans ces moments-là, j'aime bien jouer des petits coups, voilà, le petit coup du pion H, là. Ce pion, on va l'amener par là. Ça fixe un petit peu les cases autour du roi adverse, ça peut éventuellement menacer des choses. Alors, est-ce que je peux menacer à un moment de jouer C5 C5, c'est quand même un coup qui... Alors là, par exemple, il faut que je fasse gaffe justement à ne pas me faire enfermer la dame, dans certains cas. Mais là, je pense que C5 devrait être un coup candidat. Ouais. Je vais prendre du pion. Parce qu'il y a toujours le pion A4 qui traîne aussi, hein. Alors maintenant, on va prendre en D4. Ah, ok, il prend D5, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que je peux faire fou prend D4 ici? Fou prend D4, je pense pas, parce qu'il y a cavalier prend D5, et je peux plus protéger mes pièces. Donc je vais jouer fou C6, je vais protéger le pion D5. Et on voit cette dame en B4 quand même, hein, qui est très bien placée, hein, qui contrôle très très bien pas mal de cases. Alors là, bon, il menace vraiment quelque chose. Donc si je prends D4, il prend D5, je prends D5... Il prend D5, je prends C1, il prend F7, ça c'est complètement égal, hein. Bon, je vais dame D6, on va essayer de faire quelque chose comme ça, la dame sur F4, tiens. Parce que maintenant je protège F7, c'est ça mon idée. Bon, c'est peut-être pas très intéressant. D'ailleurs je pouvais piquer sa dame là, pourquoi j'ai pas piqué sa dame? Oh! Quel âne! Je pouvais lui piquer la dame, j'ai complètement oublié. Ça c'est une grosse boulette. Bon, il va falloir jouer vite surtout. Bon, j'ai plutôt une position correcte quand même, hein. J'ai mon fou de case noire qui me donne des grosses compensations. Je pense pas du tout être moins bien dans cette position. Je pense même être légèrement mieux, en fait. Ah, ouais. Je range 7. Il faut que je joue vite. Alors on va jouer vite. Hop. Hop. Je lag. C'est terrible comme je lag. C'est terrible, je lag terriblement. Hop, attends, petit coup de fou des deux, petit coup de F4. Eh non, je lag. J'ai un énorme lag. Bon, bah merci Vincent pour la partie. J'ai eu un énorme lag, ouais. Désolé. Mais oui, j'avais une bonne position, après j'ai un problème de lag. Alors je vais fermer, j'ai peut-être des trucs qui sont ouverts, qui mangent de la batterie. Attendez, hop, hop, hop. Ouais, bon, j'ai chess basse qui est ouvert. Ça c'est ouvert, ça aussi. Et donc je vais jouer Trailblazer maintenant. On va changer un petit peu. Ah, il me joue un début de Londres. Bon, début de Londres, moi j'ai mon système. Hein. J'ai mon système qui est assez sympa. Que j'aime beaucoup, c'est ce système avec fou F5. Je trouve que c'est un système assez sain, même si ça plaît pas à Laurent, je sais. Alors ces trucs avec F3, je sais que c'est quand même c'est très à la mode, hein, ces idées de Jobava. Mais j'y crois moyen en fait. Tant que j'ai pas touché au pion C, j'y crois pas trop. C'est même pas que j'y crois pas trop, c'est que j'y crois pas du tout en fait. C'est qu'une conviction personnelle, hein, ça n'a rien de... Et donc voilà, j'aime bien jouer ces 5 comme ça. Alors bon, il n'y a pas de dame B5, j'ai toujours du dame D7. J'ai du dame B6 qui peut arriver. Je trouve que le jeu noir est quand même relativement sain et simple. Il n'y a pas de problème à partir de G5, je vais toujours mettre le cahier sur D7, tout va bien se passer. Voilà, là il va probablement proposer l'échange des dames, il va me jouer un truc très solide à base de C3 derrière, ou de cahier C3 peut-être. Mais je peux même prendre du cavalier F, si ça se trouve, pour pouvoir mettre l'autre cavalier sur C6. Ah, dame B, ça c'est intéressant ce coup. Il veut pouvoir mettre le cavalier sur B5 pour m'embêter. C'est une idée assez intéressante. Sauf que le cavalier en C3, je pense qu'il est mal placé dans cette position. Il est mal placé parce que il va toujours avoir des problèmes sur la case C4 et la structure d'une manière générale. C'est-à-dire cette structure, alors je peux prendre du cavalier F, mais ça va permettre qu'il joue au centre. Le problème de cette structure avec les blancs, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher le pion B. Si vous touchez le pion B, vous allez avoir des gros problèmes sur la colonne C. Et donc du coup, c'est assez délicat à jouer. Vous voyez, après tour C8, tout de suite je mets une pression sur la colonne C. Alors évidemment, bon, il peut faire grand roc, mais grand roc, je peux jouer du cavalier B6, cavalier C4. Alors ce que j'ai envie de faire ici, c'est de stabiliser peut-être, ou est-ce que je continue avec B5? Si je joue B5, ouais, je vais jouer B5. Donc j'ai un retard de développement, hein, clairement. J'ai mon roi qui est encore au centre, il n'est pas pour l'instant trop en danger. Il aurait pu l'être d'ailleurs, parce que G5 est arrivé assez rapidement. Je vais prendre du cavalier. Maintenant j'ai cette belle case là pour mon cavalier sur C4. Là, on va anticiper peut-être... On va jouer cavalier FD7, anticiper une éventuelle poussée. Bon, ça, c'est pas... Ça fait... On... Des gros problèmes, hein, cette position. C'est clair avantage. Alors, est-ce que je gagne pas un pion là, après B4? Ça a une tête de pion de plus, hein. C'est une Sicilienne, en fait, qui s'est très bien placée. Sicilienne qui s'est extrêmement bien placée pour les Noirs. Alors il peut prendre en C5 intermédiaire, mais sur quoi je vais faire cavalier prend. Et il y a toujours le pion E4 qui va traîner en fin de variante. Et le pire, c'est qu'une fois que je vais prendre E4, je vais menacer aussi une fourchette en F2. Bon, celui-là, on va le prendre. Et puis mon cavalier maintenant dispose de cette case en D5. Vous voyez, cette case D5, elle est vraiment assez fantastique. Donc on va jouer ça, on va ouvrir la colonne. Et on va installer le cavalier sur D5. Donc ça m'en donne encore un. On va jouer F6. Et hop, on va rentrer la tour sur H2. Bon là, il craque complètement, The Trailblazer. Merci Trailblazer pour la partie. Ouais, c'était pas terrible le début, hein. Les noirs égalisent, j'ai l'impression, assez facilement. Et le jeu est assez simple en fait, derrière. Alors, c'est qui? Shadowmate. Alors. Non, ensuite, c'était pas une question de souris, c'était une question de lag. J'ai lagué. Ne sois pas désolé, hein, c'est pas un souci. Salut Shadowmate, nos amis canadiens qui nous regardent. On va jouer du E4-5. Je vais essayer de changer un peu à toutes les parties. Oh. A3. Oh, ça, c'est trop compliqué pour moi. Moi, on m'a toujours dit, fous C5 d'abord. Alors, KC6, j'ai pas besoin de le jouer. C'est un réflexe. Merci à toi, Trailblazer, pour la partie. C'est un réflexe qu'on a en général de mettre le cavalier sur C6, mais qui n'est pas nécessairement un bon réflexe. Parce qu'en fait, c'est pas le coup principal. On joue cavalier C6 dans les parties parce qu'on a été obligé. On nous a obligé à jouer cavalier C6 en jouant cavalier F3. Mais quand l'adversaire ne joue pas cavalier F3, il n'y a pas de nécessité particulière à jouer cavalier C6. Donc là, par exemple, je me garde l'option peut-être de jouer C6 moi-même. C'est d'ailleurs une option, je pense, que je vais prendre. C'est plutôt intéressant de jouer un coup comme C6, parce que maintenant, en plus, j'ai des coups comme Dame B6 qui peuvent être utiles. Alors là, bon, je ne peux pas jouer D5 pour l'instant, donc je vais jouer D6 plutôt. Et en fait, je vais préparer l'expansion, c'est-à-dire que je vais commencer... J'aimerais bien mettre mon cavalier sur la case E6, en fait, dans cette position. Je sais que c'est un coup un peu bizarre, mais... Alors comment je vais y aller, ça c'est une autre question. Mais j'ai des idées pour amener mon cavalier sur E6. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mon cavalier en D7, peut-être jouer B5, retirer le fou en B6, passer le cavalier sur C5 puis E6. Et le cavalier de E6, il va taper sur des cases importantes, la case D4 et la case F4. Bon, évidemment, on est loin du compte, hein, pour l'instant, on n'est absolument pas prêt à se rendre sur ces cases-là. Est-ce que je peux jouer un coup comme fou E6? Mais fou E6, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais justement, j'aime bien être contradictoire avec moi-même, c'est mon côté schizo. Jouer fou E6, qui n'est pas précis, hein, du tout, mais c'est juste l'option blitz en fait. Alors, fou A2, c'est bizarre parce que sa tour en A2 risque de ne pas être si bien placée que ça. Maintenant, je vais jouer KD7. Et là, j'ai l'option maintenant, avec le fou qui est plus sur la diagonale, de jouer tour E8, cavalier F8. Alors ça, c'est bien joué. Cavalier A4, c'est un bon coup. Est-ce que je m'en émeus ou pas? Je vais jouer tour E8. Comme ça, s'il prend C5, je fais cavalier prend. Je vais avoir un peu de mal à me défaire de ce clouage, hein, pour l'instant. Il peut être assez désagréable, ce clouage. Et là, je vais jouer cavalier F8. Parce que ça, ces structures-là, j'aime bien, moi, pour les noirs. Je sais que c'est bizarre, mais je trouve ça assez agréable. J'ai toujours l'option C4, j'ai la case D4, il n'a pas envie de jouer C4, lui. S'il joue C3, il va avoir le pion D3 qui est arriéré sur la colonne ouverte. C'est pas si simple à jouer ce type de position. C4, c'est un coup, hein, d'ailleurs, parce que sur C4, vous pouvez imaginer, si les blancs prennent, j'échange les dames et je prends le pion E4. Donc il joue dame ici, qui a l'air intéressant, il veut venir placer la dame sur C3 pour faire pression sur mes deux pions. Je vais jouer Kg 6. On a vraiment une structure très très similaire à la Rossolimo, à ce type d'ouverture contre la Sicilienne. Il faut que je fasse gaffe parce qu'avec sa tour en A2, s'il ouvre la colonne A, il peut justifier en quelque sorte, il peut justifier le placement de la tour. Donc il faut quand même que je sois attentif. Et il ne faut pas sous-estimer la possibilité. Donc maintenant j'ai enlevé la case H4, donc je peux jouer H6 sereinement. Son fou est obligé de partir. Et là, il faut que je fasse gaffe justement à des B4 éventuels qui peuvent arriver. Mais B4, j'aurai toujours C4 encore. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc est-ce que je peux jouer un coup comme... Ah non, j'ai le pion qui a attaqué là quand même. Je vais jouer B6. Il joue H3. Là, il s'affaiblit. Hein. Ça me déplaît pas qu'il s'affaiblisse. Je vais ici. Maintenant, toujours pareil, cette idée de manœuvre de mettre le cavalier sur D4. Maintenant, on va jouer A5. Mon but, c'est de mettre le pion sur A4. Si je mets le pion en A4, il peut être embêté. Donc, il joue A4 lui-même, ça veut dire qu'il ne pourra pas jouer B4 du coup. Par contre, il peut jouer C4 au prochain coup, et moi, je ne peux pas le faire. Donc, maintenant, il va falloir que j'organise du contre-jeu de ce côté. Donc, je vais jouer tour à D8. Et on va commencer à transférer les pièces. Donc, déjà, la dame, elle n'a plus rien à faire ici. Il faut laisser passer ce cavalier. Ce cavalier, il va aller ici. Ça, c'est un petit affaiblissement quand même. Alors, je peux pas jouer à H5, parce que s'il enlève le cavalier, je pourrais pas défendre. C'est quand même un petit... Il y a un petit truc quand même là qui traîne, hein. Il faut faire gaffe. Est-ce que je peux jouer un truc comme dame D7? Alors, voilà, là, mon idée, c'était cavalier F4. Est-ce que ça marche? Cavalier F4, fou prend, cavalier prend, puis on prend, dame ici. Tour ici, après... Ça a l'air de pas du tout marcher, mais je vais essayer de le faire quand même. Parce que ça me dit bien. Bon, on est là pour s'amuser. Hein. Ah, par contre, dans cet ordre-là, je pense que c'est pas terrible pour lui. Parce que là, je fais échec. Il peut pas bouger Voilà, parce qu'il a la dame en l'air. Et du coup, j'avais cavalier H4 échec après. Donc ça, c'était une gaffe, il fallait prendre avec du fou. Et je pense que ça marchait pas. Merci Shadowmate pour la partie. C'était intéressant. Un peu mou, mais intéressant. Bonjour à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien. Et je continue à prendre les défis. Alors, Jean-Jean 7, c'est parti. On va jouer un peu E4. Par principe. J'ai pas envie de jouer tout le temps la même chose. On va jouer une sicilienne. Bon, je suis pas du tout spécialiste en la matière. Mais il faut bien se faire plaisir. Et on va jouer un dragon accéléré. Alors, dragon accéléré, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer un étau de Maroxy. Je vais jouer un étau de Maroxy, qui est une ligne très intéressante. Et je vais jouer cette ligne avec H3. Avec des dames D3. Une tour en D1. Je me rappelle si c'est de bon ordre. On prend. On joue échec ou fou G4 d'abord. Échec. Et fou G4 je crois. Et maintenant E5. Excusez-moi je parle pas là parce que j'essaie de me rappeler d'un truc que j'avais vu il y a très longtemps. J'avais joué ça quand j'avais joué dans la Mitropa Cup. C'était à Balaton-Jargeau en Hongrie. Très bel endroit d'ailleurs. Je pense que c'est un des plus beaux endroits. Les dernières Mitropa Cup à laquelle j'ai participé, c'était vraiment deux magnifiques destinations. Et alors H5, il y a du... Enfin voilà, fou prend H5, ça va être dans l'air. Maintenant peut-être même d'ailleurs. Hein, fou prend, puis on prend, dame F4. Avec la tour qui arrive après, ça donne envie. On va se contenter pour l'instant de ramener les pièces comme ça. Voilà, on va mettre la dame en E3. On va ouvrir un vis-à-vis sur le roi. On va menacer aussi peut-être avec la dame de venir en H6. C'est pas une position agréable à jouer pour les noirs, ça. Hein. Ça je vous garantis que c'est pas une position qu'on aime à jouer avec les noirs. Il faut que je fasse gaffe quand même, parce que son cavalier ne revienne pas sur F5. C'est pas trivial. Je pense que fou prend H5 aurait dû être peut-être plus violent. Et plus concret. Alors, comment je vais continuer cette position? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? F4, F5, ça me semble un petit peu optimiste. Je vais peut-être mettre un cavalier sur D5. Le cavalier en D5, il est pas mal placé. Je vais centraliser ma tour. Alors, j'aurais pu prendre du pion, mais je pense que ça l'aurait aidé plus qu'autre chose. Alors là, je pense qu'il part pas du bon côté. Et fou prend H5 a l'air assez dramatique. C'était pas le bon côté en C5. Il fallait aller en G7, je pense, pour défendre le roi. Parce que là, avec ma tour, mon fou et ma dame qui sont braqués sur son roi, qui n'est défendu par personne d'autre que lui-même d'ailleurs, c'est difficile. Donc là, on va faire un petit coup d'échec, hein, c'est petit coup de mazette, comme on dit. Il n'a rien à voir. Alors, et là, je pense que tour G5 doit gagner, parce que roi H6, je prends, et dame G4 mat. Ouais, tour G5 a l'air pas trop mal, je vois pas comment il défend. C'est assez joli d'avoir les deux tours, les deux pièces en l'air comme ça. La tour et le fou. Mais je pense qu'il n'y a pas de défense contre la deuxième perte de, la perte d'un deuxième pion, et bon, bah, le mat qui va suivre, parce que si le roi se cache sur la colonne H, je vais ramener mon... Je vais ramener la dame. Alors, est-ce que je ramène la dame sur H4? Non, la dame sur H4, je peux pas me déclouer. C'est ça le problème. Mais bon. Je vais juste enlever la tour après, hein. La dame H4, ça a l'air pas trop mal. J'attaque F6 par la même occasion. Si la dame va sur une case blanche, j'ai du tour H6 aussi avec une découverte du fou. Non, là, la partie va être... Je menace tout simplement de retirer ma tour, hein, c'est tout à fait possible. Alors là, on va mettre un petit coup de tour 1, par principe. Juste pour lui rappeler que le clouage, c'est quelque chose d'important. La dame D7, justement, j'ai tour H6, je pense qu'il gagne. Ouais. Bon, bonne partie, Jean-Jean. Ouais, pas très précis, c'est pas si facile cette ligne, il faut faire attention, il y a le E5 qui arrive très vite. Donc, bah merci pour la partie. Alors, Tkelechogi, c'est qui ça? Essayez de me défier plutôt en 3 minutes pour qu'il y ait du temps pour tout le monde. Ça serait sympa. Et n'hésitez pas à... N'hésitez pas dans le chat à me poser vos questions. Et je vais jouer contre Ale King. Alexander. Bonne partie Ale King. Ah, mais il y a Heisenberg qui est là, dis donc. Frank Abagnale. Voilà, il y a plein de monde. Mbappé, oh là là. Alors Ale King, j'attends ton premier coup. Est-ce que je vais justement... Alors, comment faire pour jouer avec nous, Chenpage? Alors déjà, avant tout, il faut être premium, c'est-à-dire qu'il faudrait que vous ayez la petite dame orange, qui veut dire que vous êtes premium. Et ensuite, une fois que vous êtes premium, vous pourrez défier absolument tous les joueurs français ou autres qui feront des banters, et vous serez dans les... Vous serez dans les priorités dans l'acceptation des défis. Mais pour cela, il faut avant tout être premium. Il y a un code improvisé, c'est le code soirée mousse, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il a dit, Laurent, tout à l'heure. Mais qui vous donnera à 15%. Donc, voilà, ça vous permettra de bénéficier justement de tous ces banters, de toutes les vidéos-séries. Et ensuite, il y a le Champions Tour qui reprend en novembre. Et donc, vous aurez il y aura beaucoup d'animations qui seront faites autour de ça. Et voilà, ça vous permettra de pouvoir suivre en priorité toutes ces compétitions et tous ces événements. Bon, bah Ale King, je crois que tu n'es pas là. Donc je vais me permettre d'aborter la partie, je suis désolé. Et de prendre un autre défi. « 2166 » Comment ça, 2166 ? Comment ça, 2166, ça me pète. Tiens d'ailleurs, j'en ai marre. Tu les vois là, les 2166 ? Allez Mbappé, fais-moi étalage de ton talent. Alors quand on joue contre un joueur qui a un maillot de Paris, il faut s'efforcer à faire, surtout ne pas perdre la partie. Donc je vais essayer d'être très efficace et très rapide. Mais je ne vais pas essayer de faire des grands coups. Donc là, oui, il m'a joué une ligne assez intéressante. C'est pas bête, cette ligne, hein, pour les Noirs. Ça s'appelle la Ronde de Vienne. C'est une ouverture qui est très, très désagréable, la viennoise. Très solide. Et là, je lui ai joué un petit truc un petit peu funky. Pas simple à jouer pour les Noirs, justement, ce dame à 4 échecs. Selon Tekfress, un premium avec réduction n'est pas un vrai corpo. Ouais, mais bon, il a pas tort dans un sens, mais quelqu'un qui fait l'effort de prendre un abonnement premium pour nous suivre, surtout avec les temps actuels, pour moi, enfin, je pense qu'il dit ça de manière rigolote, mais c'est très, très plaisant. Je joue beaucoup de lignes, Heisenberg, contre la Viennoise. Je joue beaucoup de lignes. Bon, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il concède le fait de perdre un pion. Ok, bon, on va le prendre. Hein. C'est un pion, hein. Moi, les pions, je les prends. Et puis ensuite, là, il menace une découverte, quand même. Donc, on va retirer le fou en E4. On va le recentraliser, en plus. Il est parfaitement placé en E4, ce fou. Il contrôle toutes les cases blanches autour du pion. Merci à toi, Jean-Jean, pour la partie. Non, non, c'est pas une question de... Ouais, tu t'as été confronté à une idée que tu connaissais pas. Hein. C'est pas une idée très connue, ce H3. Mbappé, ça c'est un autre pion, ça, dis donc. Ce H3, c'est pas une idée qui est très très connue, mais qui a le mérite, justement, de poser des vrais problèmes, en fait. Je garde la possibilité. En fait, je veux jouer F4. C'est pour ça que j'ai joué H3. Donc... c'est assez intéressant, H3, regardez. Je m'étais trompé d'ailleurs contre mon adversaire en Hongrie, parce qu'il m'avait joué du coup un dame B6 qui avait empêché la dame de venir en D4. Je m'étais retrouvé bah, presque moins bien. Je m'étais senti assez bête. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, on va mettre le rond au milieu, hein, moi c'est pas un souci. Hein. Et puis on va mettre la dame aussi. Mettre la dame au milieu aussi. Peut-être jouer F4. Une belle paire de fous là qui illumine le théâtre des rêves. Ah, tu veux jouer dame B5, coquin. Ah, ah, pas bête. Peut-être que c'est pas mal. Alors, comment je vais faire pour t'avoir? Déjà, je peux t'empêcher. Je vais peut-être empêcher de jouer dame B5. Là, tu vas jouer tour 8. Tour 8, je vais jouer fou E3. Non, je vais jouer A4. J'ai pas peur de tour 8. Je devrais, mais j'ai pas peur. Maintenant, on va jouer fou E3. Ta dame va être obligée de repartir sur E7. Mais c'est pas grave si tu récupères le pion, parce que t'as toujours B7 qui traîne en fond de cours là-bas. Dame A5. Tu veux reprendre avec la tour en E5. D'accord. Je vois. Est-ce que je peux faire dame H4 échec, roi G8, fou E4? C'est dangereux. Ouais. Bon, tu sais ce que je vais faire? Moi, je suis un peu un Laurent Fressinet des fois. J'aime avoir du matériel en plus, mais j'aime le garder aussi. On va prendre ça, et puis je vais tranquillement aller m'échapper avec mon roi. Je vais prendre le pion là. Je vais peut-être surtout accélérer en fait. Puis je vais m'en aller quoi, en fait. Tout simplement. Je vais juste m'échapper. Ouh, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux mon petit Mbappé. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir de la friture sur la ligne, comme on dit. Des sacrées fritures. Hein. Des deux, bien joué. Alors, je vais prendre en A4 avec ma tour. Ah, bien joué, coquin, je l'avais pas vu, tiens. Non, je plaisante. On va prendre ça. Et maintenant que le pion F n'est plus là, il n'y a plus de maths. Hey, mon petit Mbappé. Merci pour la partie Mbappé. Mbappé, qui, je le rappelle, fait partie de nous. Qui est l'organisateur, un des organisateurs de la Chess Cup, la Cergy Pontoise Chess Cup. Et donc, du coup, ben, on le remercie pour avoir fait cette énorme initiative avec tous ses collègues. Merci à toi, Mbappé. Alors... Ardos, je l'ai joué, non, déjà? Non, non. En plus, il a une belle photo d'une des idoles de ma jeunesse, en profil. Bonne partie à toi, Ardos. Et et on va jouer autre chose pour tester. Ah oui, non, mais si vous jouez tous le début de long, on va pas s'amuser. Hein. Mais bon, je vois que vous jouez, je vais pas vous en empêcher. Je vais KC 6 et KC 7 et le 5. Prendre avec ce pion. On va remplacer le KC sur B6. Coup d'A5, on se mélange pas trop. Donc ouais, le début de Londres, évidemment, ce qui peut poser souci à beaucoup de joueurs, c'est d'arriver à dynamiser la position. Et c'est vrai que c'est pas simple de dynamiser la position dans le début de Londres. Mais c'est faisable, en fait. Il faut un peu de patience, parce que c'est vrai qu'on peut rapidement, se retrouver à dépasser les limites. Et c'est ça qui est véritablement dangereux, en fait, c'est quand on dépasse les limites de ce qu'autorise la position. Donc du coup, il faut arriver à s'armer de patience. Alors, on va jouer un petit coup de E4, qui était basé... Ah oui, non, c'est une grosse faute tactique E4. J'avais une idée qui marche pas du tout. Je voulais jouer cavalier E5, et je me suis dit que sur dame prend C4, j'avais fou F5, mais ça marche pas. Parce qu'il y a ça au milieu. Alors si je joue cavalier E5 et ça, ça marche pas non plus. Ouais, donc cavalier E4, c'était pas terrible. Je vais jouer un coup qui a l'air très très mauvais. Et qu'il est peut-être d'ailleurs. Je vais jouer fou F5. Il faut que j'accélère, hein. Je suis très très lent. C'est le soir là, je suis... Je suis un peu... Voilà, il a pris en F5. Alors mon idée, c'est de dynamiser justement en ouvrant la colonne G, pour mes pièces. Donc là, il veut me faire une attaque sur le pion. C'est plutôt bien joué. C'est désagréable ce coup. Hein. Bon, on va jouer cavalier E5. On va centraliser ça. Alors j'ai toujours le tour B8, tour prend B2, hein, des familles qui traînent. Mon cavalier en E5 est plutôt bien placé. Je vais jouer C6 peut-être après. Commencer à lui prendre des cases, et en fait j'ai toujours cette perspective d'attaquer sur la colonne F. La colonne G, pardon. On va prendre du fou, et on va jouer C6 assez rapidement. S'il me le permet d'ailleurs. Bon là il me le permet, donc on va jouer C6. Alors ça me plaît pas trop parce qu'on va probablement avoir une position très très égale, et il va falloir que je fasse usage de technique. Parce que je peux pas lui laisser la colonne D en fait. J'ai pas le droit de lui laisser la colonne D. Donc je vais jouer fou D6. Je vais pas permettre l'échange de ces pièces. Je vais essayer de générer quelque chose. Je me laisse du dame E5, du H5, H4 aussi. J'aime bien cette idée de H5, H4. Ça c'est plutôt un bon coup, j'aime bien aussi. Roi F1 c'est plutôt pas mal. Pour éviter de pas se mettre dans les fous H2. Par contre c'est dangereux. Ça me paraît dangereux. Alors bon, évidemment, je me trompe peut-être. Mais ça me paraît dangereux, ouais. Bon, alors là, oui, il a un plan qui est assez intéressant. Il veut jouer... Alors, je vais jouer F4. C'était pas mal joué, hein, ce qu'il vient de faire. Il veut jouer dame D1 pour me clouer, et c'était... plutôt bien joué. Donc moi j'ai mis ma tour en D7 parce que justement maintenant il n'y a plus rien qui traîne là-dedans. Le problème c'est qu'il peut m'échanger beaucoup de pièces. Là on va jouer un petit coup d'F5. Et bon ouais, il va falloir vraiment faire preuve de magie là. Hein, parce que il n'y a pas grand chose à tirer dans cette position. Mais bon, on va pas se laisser faire. Hein, on va essayer de gagner quand même. Hein, je suis obligé. Hein. Je suis obligé d'essayer de gagner. Alors ça c'est rang G6. Ah, je donne un pion. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est la vie. J'ai un petit coup d'H5. Dame B4. Il me propose des échanges des dames. Malhonnête. C'est très malhonnête ça. Est-ce que je peux jouer dame G5? On va essayer d'aller s'infiltrer par là-bas. S'infiltrer par là-bas. On va jouer F4. Ouais, c'est pas très glorieux, hein, tout ça. Un petit coup d'échec. Ça, c'est pas mal. Un petit coup de 3. Je sais pas ce que je vais faire pour essayer de gagner cette partie. Alors bon, ça commence à ressembler à quelque chose qui peut se gagner. Mais qui gagnera certainement pas. Qui va peut-être pas se gagner du tout, voire même se perdre en fait. On va essayer de jouer vite. On va essayer de jouer vite. On va essayer de pas se prendre de petits trucs de peau de banane qui traînent. Hein. Ça serait délicat. Ah bah ouais, c'est moi qui vais la mettre, la banane, la peau de banane. Allez, hop. Il faut aller vite. Ouf. Bon, pas terrible Ardos, plutôt une bonne partie de la part des blancs, pas mérité du tout, hein. Je méritais pas du tout de gagner cette partie. Chess745, salut Chess7, bienvenue sur ce chat. Donc cavalier F3, on va commencer par cavalier F3, il me joue D6, j'ai une idée de ce qu'il veut me jouer. Donc, il me joue une Est indienne. Et je vais jouer un système... Alors, C6, c'est un coup qui se joue pas trop contre l'Est indienne. Hein. C'est un jeu qu'on joue... C'est plutôt dans la pire qu'on joue des coups C6. Oui, bon alors là, C6, B5. Avec un pion en C4, ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste un gambit. Il m'a juste donné un pion gratuitement, là, Chess7. C'est gentil, hein. je prends le cadeau. Hein. C'est pas quelque chose que je ne vais pas cracher dessus. Mais je pense que c'était... pas nécessaire de me donner ce pion. On va jouer H3. Pourquoi H3? Parce que je veux pas que je veux jouer contre son fou D7. C'est pour ça que je l'ai pas échangé. Je veux le garder sur l'échiquier et je veux pas qu'il trouve de cases utiles. La case G4, ça pourrait être une case utile pour lui parce que mon pion D4 dans ces positions, c'est une pion très important. Imaginez que ce pion il avance en D5. D'un coup, ça donne des grosses perspectives à son fou G7 et plein de cases à ses pièces, notamment la case C5 ou la case E5. Si ce pion, je le maintiens en D4 et je l'avance que au moment où j'estimerai que ce soit utile, alors du coup, il va bloquer toutes les perspectives de ses pièces. Ah, d'accord, c'était toi, Matoche. Non, j'ai eu la réponse de la Matoche. Excusez-moi, hein, j'ai eu mon téléphone qui s'est mis à vibrer, j'ai eu peur. Du coup, ouais, bah, j'ai un pion de plus en fait, hein, j'ai un pion très sérieux en plus, hein, c'est pas le pion, c'est pas le petit pion. Alors bon, il faut quand même faire attention, il faut pas se laisser endormir sur ses lauriers. J'ai joué un petit coup d'A3 pour deux choses, déjà de 1, donner la possibilité à mon fou de revenir en A2 et de rester sur cette diagonale, et de 2, de ne pas donner la case B4 à sa tour. Donc cavalier A5, c'est plutôt un bon coup. Maintenant, je recule mon fou en A2. C'est plutôt un bon coup parce que ça vise une case faible. Mais il va pas pouvoir faire grosse utilité de cette case. Là, E5, c'est hyper optimiste. Et ça me donne même un deuxième pion que je vais certainement prendre. Alors, en temps normal, il aurait pu avoir la contre-idée cavalier prend E4. Mais cette idée n'est pas possible ici. À cause du... Alors là, je dois avoir une jolie combinaison. Est-ce que ça marche? Ouais, ça doit marcher. Donc, est-ce que je peux prendre en D8 d'abord aussi? Parce que K prend B5, Dame prend D1, Tour prend B1, Tour prend B5, K prend F7, Tour D8, fois F8, fois H6. Je vois pas comment il part le mat. Donc on va essayer de faire cette combinaison. Donc je vais prendre ça. Il est plutôt obligé de prendre en D1. Je crois qu'il y a une jolie combinaison. Je sais pas. Ah, il me laisse pas la faire. Bah, peut-être comme ça, il me laisse la faire. On va essayer. Ok, il prend F7, vous voyez, on a ce fou en A2 qui marche. Et ça marche pas parce qu'il y a cavalier B3 à la fin. Ok. Mais il prend F7, là, de toute façon, sur dame prend D1. J'ai cavalier H6, double échec. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Donc on va prendre en D1. De toute façon, j'ai beaucoup trop de pions pour que ce soit mauvais pour moi. Ah, mais tour D8, fou F8, j'ai B4 peut-être d'abord. Oui, B4, cavalier C6 encore. J'arrive pas à le faire marcher. Mais là, tu te prends la fourchette du peuple, là. KL6 attaque tout le monde. Le roi, les deux tours. Ah, ce chess 7 a été un petit peu trop optimiste sur ce coup. Ouais, on va prendre ça. Et là, il y a beaucoup trop de matériel en moins. Ouais, bon, merci pour la partie, Seb. Ouais, B5 était pas bon dans l'ouverture. Ça, c'est clair. Fallait pas. C'était pas terrible, terrible. Alors. Icareus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Icareus. Je vais prendre Icareus. Non, j'ai pas forcément bien joué, chez Seb, mais tu m'as bien aidé. Donc, on va jouer une française. Et on va jouer une française de blitz. On va jouer celle-là. En honneur à, si cette personne est toujours dans le chat, elle sait de qui je parle. Oui, oui, trop vite, B5, ça se voit que tu as voulu jouer par stéréotype. Et d'un truc que tu as déjà vu peut-être il n'y a pas longtemps. Et du coup, tu t'es enflammé. Alors B3, c'est un coup intéressant. Mais ça reste quand même un peu mou, on va dire. Il faut prendre le pion en A3, hein, si on veut réfuter, il n'y a pas de choix. Après, c'est une partie, hein, B3 n'est pas du tout un mauvais coup. Mais du coup, mes pions A3 et B3, ils contrôlent des cases quand même qui sont pas trop mal. Alors là, est-ce que je joue fou E3, est-ce que je joue fou B2? Moi, je suis plutôt partisan du fou E3. Ouais, normalement, dans cette position, on a le pion en B4. Donc, je sais pas du tout. Après, j'ai pas d'expérience, hein, donc... Je n'ai pas d'expérience dans ces positions-là, donc du coup, je ne sais pas trop ce qui est en ma faveur ou pas. Je trouve que la position noire est correcte, bien sûr, hein, c'est rien d'anormal, mais elle est à mon goût, la position des blancs. Voilà, par exemple, ça c'est des positions que j'aime beaucoup. Alors, comment on la continue, celle-là? Il y a plein d'idées, il y a du cavalier E2, il y a du H4. H4, c'est un thème. Variant d'échange, jamais. J'allais dire Vincent Barcia. Échec et maths, pour répondre à ta question, la variante d'échange, je ne l'ai jamais recommandée. C'est une ouverture qui est jouée par les meilleurs joueurs du monde, bien sûr, la variante d'échange en ce moment, notamment les joueurs français comme Étienne Bacro, comme Maxime Lagarde, qui l'ont beaucoup joué. Mais il faut avoir un degré de concentration, de compréhension qui est assez important, je pense, pour pouvoir tirer le maximum de cette ouverture. Et donc, non. Ouais, Vincent. Oui, non, mais comme tu as changé de pseudo, je savais pas si tu voulais rester incognito ou pas. Et du coup, non, la variante d'échange, je la conseille à personne. Et jamais, en fait. Ce que je conseille particulièrement contre la française, si tu veux mon avis, c'est la variante d'avance. Parce que la variante d'avance, c'est quand même l'ouverture première. C'est-à-dire que la française, si c'est considéré comme douteux, c'est bien parce que les blancs prennent de l'espace. Donc, pourquoi ne pas prendre cet espace? Et en fait, on va faire ses armes en jouant la variante d'avance, et on va comprendre un petit peu les plus et les moins, et ensuite, on peut passer à autre chose. Mais pour moi, c'est trop illogique de commencer par autre chose que la variante... Bon, la variante d'échange, je comprends qu'on puisse la jouer, mais la variante d'avance, pour moi, c'est inconcevable qu'on ne l'envisage pas, en fait. Alors, bien, évidemment, je suis pas un joueur de E4, hein, donc... faites ce que je dis parce que je fais. Mais enfin, je sais que j'ai travaillé cette position. Alors, est-ce que je lui attrape pas la dame, là? En tout cas, je la mets mal au point, hein, parce que A4, dame prend B4, cavalier ici, tour B1. Bon, c'est complètement débile. J'attrape rien du tout. Moi, je vais D3. Donc oui, la variante d'avance, c'est vraiment la manière d'essayer de punir, on va dire, la conception noire qui est de concéder l'espace aux blancs. Voilà. Je pense que tous les grands joueurs russes, notamment par exemple, que ce soit Peter Svidler ou Alexander Grichuk, jouent la variante d'avance. Et c'est leur spécialité, hein, je veux dire, vous regardez les parties de Grichuk sur la variante d'avance, ça pique, hein. Vous regardez les parties de Shirov sur la variante d'avance, vous regardez les parties de Svidler sur la variante d'avance, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout à voir du côté des noirs. Donc ça réfute pas la française, bien sûr, mais ça met tout de suite le doigt sur ah bon, bah, tu m'as concédé l'espace, ok, je vais prendre l'espace et je vais essayer de faire du mieux que possible avec cet avantage d'espace. Bref, c'est mon opinion, tu vois, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question en étant très bref, comme d'habitude, hein. C'est ma marque de fabrique. Yannick Gozzoli, incapable de faire une phrase inférieure à 4 mots. 4 mots qui ont du sens. Alors bon, du coup, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mon adversaire a réussi à obtenir une position plus que satisfaisante, je pense. Ouais, c'est une question de principe, voilà, Vincent. Voilà, Varant d'avance, question de principe, j'ai envie de dire. Voilà. Tu me donnes l'espace, je prends. Et c'est à toi après de me justifier pourquoi tu m'as donné l'espace. Donc là, j'ai un peu de chance, parce que j'étais quand même pas très bien, je trouve. J'étais même carrément pas très bien. Voilà, bah là maintenant je pense que je suis carrément gagnant. De manière un peu chanceuse. Et là il devrait y avoir un mat qui se profile à l'horizon. Ouais, il se profile ici. Merci Icareus pour cette partie. Oui, ça vous apprend à jouer avec l'espace, en fait. Je cherchais mes mots parce que je réfléchissais en même temps. C'est une manière d'apprendre à jouer avec l'espace. C'est assez important, je pense, de savoir jouer avec l'espace. Laurent, d'ailleurs, je crois que Laurent Fressinet, qui ne doit pas être là en ce moment même, mais... On lui demandera, si vous voulez, quand il reviendra. Il a joué la française d'avance pendant longtemps. Il y avait un des premiers entraîneurs français qui était vraiment au top pendant des années, c'est Éric Prier, qui jouait beaucoup la Varant d'avance. Donc, du coup, il avait appris à tout le monde à jouer la Varant d'avance. Bon, on va changer encore autre chose. On va essayer une carocane. Une petite carocane. Alors, bon, mes commentaires, justement, dans ces ouvertures-là, risquent de ne pas être très décent, parce que je n'y connais absolument rien. Donc alors ça, je sais que c'est censé être pas terrible, enfin en tout cas égal, pourquoi j'en sais rien, mais je crois qu'il y a du E5, il y a un truc avec E5 qui traîne, là je joue vraiment au pif, hein. Alors ça va être très équilibré cette partie, mais bon après il y a la technique. Merci à toi Icareus. Oui, 4-6 D3, c'est un coup intéressant D3, il n'y a pas de... Ça donne des parties très intéressantes, 4-6 D3. Après, de là à dire que c'est la réfutation, je ne sais pas, mais... Ça donne des parties très intéressantes. Donc là, on a une carocane, très solide. Alors, F3... F3, ça donne des thèmes, là. Ça donne des thèmes à base de fou D6. Là, on voit qu'il y a ma colonne H qui était ouverte. Alors, évidemment, je ne peux pas le faire pour l'instant. Je ne peux pas faire tour prend H2, dame prend G3, échec. Parce que je suis cloué moi-même. Mais là, on voit que F3, ça affaiblit tout le complexe des cases noires. Et si vous étudiez, par exemple, ce que Iosif a pu dire, on voit que les blancs, ils ont un tandem, ils ont une paire de fous avec un cavalier. Et moi, j'ai 2 cavaliers et un fou. Donc du coup, le plan des blancs, c'est de jouer justement sur les cases blanches. Parce que je n'ai pas de fou de cases blanches. Donc du coup, il aurait peut-être dû mettre le fou... il aurait dû mettre les pions sur cases noires. Alors que là, il fait l'inverse. C'est pas très précis. C'est pas très précis. Alors comment je vais le punir? Ça, c'est une autre question. Est-ce que je vais apte à le faire? Alors, tour prend H2, fou prend H2, son idée c'est G3 sûrement, qui va enfermer mon fou. C'est malin. C'est très malin. Mais seulement, je ne suis pas obligé de me laisser enfermer le fou comme un débutant. Donc par contre, je vais faire Grand Roc. Alors Grand Roc, je n'aimais pas, à premier abord, parce que j'aime pas du tout le fait de laisser ce pion F7 un petit peu faiblard. Mais je trouve qu'il a des pièces qui sont... Alors G3... J'ai cette case de 3 là qui m'appelle. Hein. Cette case de 3 qui m'appelle. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre un cavalier sur E5 pour commencer. Et je vais mettre un cavalier en D5 après. Mais là, la case de 3 est très faible. Je pense que j'ai une bonne position, bon avantage de développement, j'ai des cases superbes, il a beaucoup d'affaiblissement. Imaginez justement si son pion était en F2, c'était pas la même musique. C'était pas la même musique avec le pion en F2. Parce que son fou en G2 aurait été fort et il n'aurait pas la case de 3. Là, la case de 3, c'est une case essentielle pour mes pièces. Donc là, j'ai la tour qui arrive en E8. Alors oui, j'ai des pions en l'air, hein. Il y a le pion A7 en l'air, le pion G7 en l'air, mais... c'est vraiment pas ce qui est important dans cette position. Ce qui est important dans cette position, c'est la faiblesse des cases, parce que la case de 3, c'est une case magnifique. Vraiment magnifique pour mes pièces. Et si le pion était en F2, justement, on voit que j'aurais eu du mal à développer mon jeu, hein. J'aurais eu beaucoup de mal. Alors, est-ce que je vais mettre un petit coup de tour E8, là, en priorité, avant de mettre le cavalier sur E3. Parce que ma tour n'a plus rien à faire sur la colonne H maintenant, le pion H2 est protégé par le roi. Ça sert à rien. Maintenant, la question que je vais me poser, et qui va être la plus délicate à répondre, c'est est-ce que je vais jouer fou E5 ou est-ce que je vais jouer cavalier E3 tout de suite? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut que j'échange ce fou de case noire? Oh là, ça c'est un coup qui est... ça c'est un coup qui a l'air pas bon. C'est un coup qui a l'air vraiment pas bon. Ouais, ça c'est un coup qui a l'air craignos, ouais. Parce que le fou en D4, maintenant il est en l'air. Donc tour E6, j'ai fou prend G. Tour F2, c'est fou prend G3. Fou prend, c'est peut-être même tour... alors ouais, là il y a fou prend G3, je pense. Ah! Oula! Oh, le craquage! Bon. Bah non, c'était un coup qui avait l'air pas bon, mais qui était pas mauvais en fait. Waouh, je viens d'avoir un énorme coup de fatigue. Ouais, petite faute de calcul avec de légères conséquences. Bon, on va mettre le cahier sur A3, hein, on va essayer de trouver du jeu. Bon, j'en ai, hein, j'ai quand même du jeu, mais... oh là là, bah non, deuxième faute. J'avais le cahier des 6 qui traînait. Ouh là là. Ouais, là, je fatigue grave. Bon, désolé. Désolé de ne pas avoir été si ridicule dans la petite phase tactique. C'était ridicule. Désolé, j'imagine que... je pense que je connais ce joueur, c'est un joueur de Lyon, je pense. Non? Non, je me trompe. Mais oui, c'était ridicule, j'avais une position extraordinaire et fou prend G3, non mais n'importe quoi, fou prend G3. Oh la honte! Non mais tour F2, je peux jouer fou E5 justement, c'est mon idée initiale, avec B2 qui tombe après, enfin bon. N'importe quoi, désolé Nikotic, j'ai fait n'importe quoi, mais bon. Alors, qui j'ai comme joueur? Parce qu'il y a des gens qui attendent depuis très longtemps. Donc défais-moi en 3 minutes, encore une fois, hein, je vous ai dit, on fera peut-être, je ferai quelques petits bullets. C'est qui ça? Je regarde s'il y a des joueurs, des habitués du chat surtout, en priorité, avant de passer aux autres. Nico Dub 1972 a défié. Oui, exact. Exact. Désolé, j'avais pas vu. Bonne partie. 2732, oula, bon joueur. Il faudra que je m'applique. Donc on va jouer une slave. Très bien, ça me va. Et on va jouer ce petit dame C2. Ben, merci à toi Nico Tichin, désolé d'avoir été particulièrement ridicule sur la phase tactique finale, là qui c'était pathétique. C'était littéralement pathétique. Donc là, on joue à une sorte de début de long, en fait. Salut Ciel bleu. Ouais, bah, il va y en avoir beaucoup, hein. Laurent va annoncer les nouveautés. Et moi, j'aime bien sacrifier la qualité dans cette position. Voilà. C'est mon dada. Qu'est-ce que tu fais? Je sacrifie des qualités. Alors bon, évidemment, c'est pas la folie dans le stade. Mais j'aime bien l'idée. Je trouve ça sympa, l'idée de jouer avec les deux fous. Mais Mégane, j'ai pas vu. Non, t'étais pas arrivé le premier. Hein. J'ai accepté beaucoup de défis déjà. C'était pas arrivé, t'étais pas arrivé le premier, non. Mais par contre, n'hésite pas à me redéfier. Si j'ai pas vu ton défi, tu peux me redéfier en 3 minutes et voilà. N'hésite pas. Je suis désolé, Mégane, j'avais pas vu. Mon adversaire est très coopératif avec moi, il me donne beaucoup de matériel. Je vais être aussi très coopératif avec lui et l'accepter, ce matériel. Bon bah là j'ai trop de matériel en plus, hein. Normalement si je fais pas l'enfant, si je suis plus proche du père de famille que de l'enfant, ça devrait bien se passer. Mettre une tour en 1 pour immobiliser les pièces à la défense. Maintenant il faut que j'améliore la position de ce cavalier. Ce cavalier je le mettrai bien en D4, donc je vais jouer fou F1 avec l'idée de mettre KE2, KE D4. Il sera beau ce cavalier en D4, il va dominer l'échiquier. Donc fou F1... Ah, premier sur le chat, oui, sûrement, oui. Bah, je sais pas. Bah, défie-moi. Je vais accepter ton... La prochaine partie, c'est contre toi, Mégane. Je suis vraiment désolé. Je l'ai pas vu et j'ai accepté... Tous les autres défis que j'ai acceptés, c'était des défis... T'as défié en 5 minutes? Non, ouais, bah... 3... Si vous voulez avoir le temps de jouer, parce que je vais pas jouer toute la nuit, mais si vous voulez avoir le temps de jouer, défiez-moi plutôt en 3 minutes. Je sais que c'est plus préférable de faire 5 minutes, mais gardez les 5 minutes quand vous jouez les parties pédagogiques contre JB, c'est bien. C'est mieux. Là, pour 3 minutes... Non, si c'est grave, défie-moi, j'attends. J'attends impatiemment que tu me défies. Si tu me défies pas, je boude. Ouais, il me donne tout, absolument tout, il est très très généreux. Nico Dub 1972. Attends, ouais, 2700 normalement, je devrais pas avoir autant de matériel en plus aussi vite, hein. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, il va falloir quand même que je... Bon, ça on va le remettre là, on va passer en mode transformation d'avantage, le roi on le met là. On va mettre la tour ici. Hop. On va passer la tour. Il ne faut pas que je passe la tour ici, ça serait dommage. On va ramener le roi. Le cavalier, on va le mettre où? Ouais, je fais un peu n'importe quoi. Je vous le conçois. On va jouer 4. Hein. Hop. Je sais pas pourquoi je réfléchis. C'est des choses qui m'arrivent de réfléchir. On va jouer F5, hein, on va ouvrir, on a 2 pions de plus, hein, donc j'ai pas très bien géré de l'autre côté, je sais que j'aurais pu gagner le pion C6. Mais j'ai pas hyper bien géré, ouais, mais bon. Ça remet pas en cause. L'énormité de l'avantage. Tour F1 c'est logique, comme ça dès qu'il joue ça je joue tour ici. Ensuite je vais installer le cavalier sur D6. Passer le roi ensuite en G5 et F6. Voilà. Et merci Nico Dub pour la partie. Ciel bleu, comme Paris défie Raoult. Et avec le même résultat vous faites... Je ne m'exprimerai pas sur le sujet, je crois que tout a déjà été clair. Donc il est où Mégane? Merci Miko, merci à toi pour la partie, merci de nous suivre. J'attends... Wims. Ah, Captain Morgan. Allez Captain Morgan. J'espère que tu vas bien Captain Morgan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec ta petite slave. Donc ouais, j'aime bien ce petit système sur la slave, c'est un système sans grande prétention. Et bon, vous n'avez pas vu vraiment l'idée encore, mais c'est un système assez sympa. Les noirs, normalement, ils ont des positions assez passives dans ces trucs-là. Donc on est capable, normalement, avec les blancs, de pouvoir, normalement, je dis bien, sortir de là avec une position assez agréable. Donc dame B3, ouais, il y a double attaque sur B7 et D5. Si je joue dame B6, je vais jouer C5. Et le début de Londres, en fait, c'est une ouverture qui est très à la mode maintenant, mais qui était déjà très très à la mode dans les années 90, parce que j'étais fan d'un joueur américain qui avait fait malheur dans la N1 française dans les années 95-96. S'appelait Jonathan Yedidia, qui avait fait vraiment un vrai malheur, a massacré tout le monde. Il avait battu Alberto David, il avait battu Etienne Bacro, une partie magnifique contre Etienne Bacro, il avait gagné. Et du coup, ouais, je m'étais passionné pour cette ouverture que j'ai jouée pendant très très longtemps. Un peu trop longtemps même, certains diront. Mais ouais, bah, mon frère aussi a été passionné par cette ouverture puisqu'il la joue encore. Il est en train seulement maintenant de découvrir qu'on peut jouer autre chose que le début de l'ombre aux échecs. Comme on dit, comme disent les grands sages, mieux vaut tard que jamais. Mais ouais, le début de l'ombre, c'est une ouverture qui a ses lettres de noblesse en ce moment. Hein. Tout le monde joue ça. Tout le monde cherche absolument à placer son petit début de l'ombre. C'est vraiment l'ouverture. C'est plus qu'à la mode. Hein. Mais c'est pas si simple. Alors là, par exemple, cavalier 8, c'est un coup un peu bizarre. Alors je peux pas mettre de pièce en D1. Parce que sinon il a fou C2, donc il faut que je fasse gaffe à ça. Si je joue cavalier A5, il va prendre, fou prend D4, cavalier prend B7, fou prend C3, il va gagner le fou en E2. Donc je vais jouer un petit coup comme tour 1, qui va libérer mon cavalier de la défense du pion D4, parce que mon fou en E2 du coup sera protégé. Non, mon frère ne joue plus que ça, il a compris que... qu'on pouvait jouer autre chose aux échecs que le système de l'ombre. Donc maintenant, je vais jouer cavalier A5. C'était ce que je voulais faire. Alors là, justement, il est cloué maintenant. Le cavalier C7 est cloué par ses propres pièces. Donc je devrais pouvoir faire normalement usage de ce clouage d'une manière assez propre. Donc maintenant, la tour, elle devrait aller en D1. Ouais, je vais jouer fou F3. Et en plus, il y a des thèmes maintenant. Alors là, c'est peut-être pas malin ce que j'ai fait. Il y a des thèmes tactiques maintenant. Ouais, là, j'ai envie de faire des trucs... Alors, est-ce que ça marche à tac, tac, tac? Là, ça a l'air complètement débile. Bon, il me laisse toujours pas de prendre. Et moi non plus, je me laisse pas grand chose. Je vais jouer tour E2. Je vais lui dire à toi. Je vais préparer un petit truc. Donc là, il me laisse toujours pas de prendre non plus. Maintenant, tour D2. Protège ce pion. S'il me sacrifie la qualité, je la prends pas. Mais là, je vais commencer à préparer des trucs à base de fou prendre des 5. Voilà, ça, je voulais pas le prendre. Mais là, il n'y a pas une tour en B8 qui traîne. Un fou D6. Ah, ça c'est pas mal joué ça. On va faire ça. Un petit intermédiaire qui sert à rien. Mais je suis très très mal au temps. Qu'est-ce que je suis lent. Qu'est-ce que je suis lent. Alors, s'il joue ça, je joue fou D6. S'il joue ça, je prends B8 et je prends D4. Là, je peux prendre B8. Ça devrait bien se passer. Ouais, c'était ma feinte, en fait. Tout à l'heure, il avait K et prend F3. Là, il l'a plus. Donc, du coup, je peux contre-sacrifier en D4. Je peux prendre là. Voilà. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entourloupe cette fois. Je vais faire échec. Passer la tour en B8. Il faut que je fasse gaffe à ne pas me faire arnaquer. Je vais prendre échec et je vais prendre le cavalier. Hop. Ouais, c'était pas brillant, mais bon. Merci Captain pour la partie. Pas très performant dans les commentaires, hein. Je calcule très lentement et comme j'essaye d'avoir le chat à côté, je suis pas au top. Merci Captain pour la partie et merci d'être là, hein. Merci de nous suivre, merci d'être corpo, hyper corpo, quoi. Alors, Mégane. Non, mais Mégane, tu me défies en 3+2. Défie-moi en 3-0, s'il te plaît. 3-0. Juste en 3-0. Je sais que je pourrais pas contenter tout le monde, hein. Il y a beaucoup de défis. Je suis désolé de ne pas pouvoir accepter tout le monde. C'est qui ce tadam, là? Moi aussi, je suis rouillé, là. Allez, tadam. Je sais pas qui c'est. Un beau hello, là. Tadam. J'ai mon idée. Je pense savoir qui c'est. Alors, on va jouer solide, hein. Je vais jouer une position assez normale, hein. Ça, c'est du classique, tout ça, hein. C'est du réchauffé. J'aime bien ce petit coup de dame B6. En fait, mon idée, c'est de passer la tour et de ramener ma dame après. Lui, il m'a joué dame C2. Dame C2, c'est assez inhabituel. En général, cette manœuvre de passer la dame sur la diagonale, on le joue plutôt avec la tour en C1, et ensuite, on joue la dame en B2. Donc, fou H5. C'est un jeu assez mou. C'est vrai que c'est une bonne tête de Jules, ça, ta dame. C'est vrai que c'est bien le style à Jules. Tadam, ouais. Ça peut être du Jules Moussard dans le texte. Alors, mon petit Julito. Je vais faire ça, je vais considérer que je joue contre Jules. Ouais, ça va me... J'aime pas jouer contre des joueurs que je connais, dont je connais pas l'identité. Je vais considérer que c'est Jules. Alors, cavalier E8, c'est que je veux aller sur la case B5, en fait. La case B5, elle peut être pas mal pour piquer son fou de case noire. Tu sais qui c'est, Heisenberg? Ouais, balance, alors. Faut balancer les infos, là. Faut pas garder. On va prendre un A2. On va mettre le cahier sur B5, comme prévu. On va jouer un petit coup de F6 pour ramener le fou sur F7, justement. Et jouer au 5 après, bon, c'est un jeu... Tu peux pas dire dans le chat, bah écoute, je t'en prie, j'ai un téléphone, ainsi qu'une connexion internet, donc je peux lire tes messages. Donc E5, et là, est-ce que B6 ne serait pas désagréable? Bergamo, Capuno... Non, it's open for everybody, but I have to accept first. The challenges I had, so if we have some time, I will keep on playing the remaining challenges. Gioco con tutti. On va faire dame prend. Grazie. Et donc là, ouais, on va avoir une petite finale. Alors bon, je sais que c'est pas le kiff, mais je sais pas, j'aime pas trop sa position. Voilà, carré à la cage, je me laisse KC3. Voilà, KC3 attaque le pion. Ça a l'air un peu shaky, comme on dit, sa position. Je pense que sa position ne tient pas la route, ouais. Parce que là, ici, il protège le pion, j'ai cavalier B5, en fait, et il y a B4 qui tombe. Et s'il protège pas le pion, si je joue cavalier A5 par exemple, pour contre-attaquer là-dessus, je fais cahier prend E2, cahier D4, qui défend C6. Donc là, il est obligé plus ou moins, ouais, de faire ça. Je joue cahier B5, le fou va partir, je vais prendre en B4. Voilà. Donc maintenant, là, il y a un pion de plus. Il faudrait encore le valoriser. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ramener le roi sur D6. Il faut tenir la case C5, ça c'est une case importante parce qu'il peut essayer de me bloquer sur la case C5. Donc ça c'est vraiment une case très très importante, il faut que je puisse jouer C5 moi-même. Donc là j'y arrive, j'avais même D4 qui était peut-être encore plus fort, mais D4 ça va lui donner la case C4. Donc mon but là c'est vraiment de le restreindre au maximum. Donc voilà, G5, je restreins encore, là il va chercher à me faire des petits échecs là par-ci par-là, ça va pas être trop gênant. Faut que je fasse gaffe, par exemple fou ici ça va être débile parce que quand sur échec, voilà, il faut que je vienne en C7 là. Il faut pas que je laisse s'activer. Ah là par contre après là le cavalier est pris. Si j'échange le cavalier, j'ai gagné la partie. C'est ce qui va se passer. J'échange le cavalier, je mets le cavalier en D6 et je monte le roi. Ça se gagne tout seul. C'est l'exemple d'un mauvais fou. Vous voyez, si vous cherchez un exemple de ce que c'est un bon fou et un mauvais fou, là vous avez l'exemple de ce que c'est un mauvais fou. Bon, bah lui il va continuer son chemin, le petit cavalier. Voilà, là le fou est dominé. Maintenant on va dominer le roi. Et on va faire une dame assez tranquillement. Donc merci tadam pour la partie. Ouais, c'était pas terrible jusque là, ouais, la finale était assez intéressante. Le travail de restriction, les petites faiblesses, le petit pion faible en B4, ça peut être embêtant. Donc Mégane, il est là. Salut Mégane, et c'est parti pour notre petit blitz. L'anglais sans accent de Marseille. Ouais, j'ai un accent quand je parle en anglais, mais j'ai pas un accent marseillais ni français. J'ai un accent inattendu. Donc le 4-5, on va jouer une espagnole, voilà, pour moi. Et il veut me jouer une berlinoise. Berlinoise, est-ce qu'on va accepter? Bon, oui, on va accepter, on va jouer la finale. Hein. Ah non, il veut pas jouer de finale. Bon. Je vais alors D4, KC3, on va jouer KC3. D4. On prend. Donc tout ça c'est du connu, hein. Puis on prend la dame en F3. C'était des ouvertures qui étaient très à la mode dans les... Enfin très à la mode, je sais pas si on peut parler de mode, mais c'était des ouvertures qui étaient très jouées dans les années... début des années 1900. Tous les grands joueurs, Capablanca, Alekhine, jouaient ça. Alors moi j'aime bien prendre du pion E, alors normalement on prend plutôt du pion E en ayant fait le grand roc. Moi j'aime bien prendre du pion E dans cette position. Alors pourquoi on prend du pion E quand on a fait grand roc? Parce qu'en général on joue fou B2 et on envoie toute la maison. On joue fou B2 et puis G4 et tout ça. Et ça peut être quand même le cas dans ces positions-là. La position noire est assez difficile à libérer. Il y a une petite pression. Il ne faut pas que je change trop de pièces en fait, il faut que je le garde sous pression. Mais ce fou en B2 est assez pénible. Votre anglais est très supérieur. Le ciel bleu me vous voit maintenant. Ah, salut OB Fitness. Je te connais, toi. D'ailleurs, il faut que je t'appelle après, OB Fitness. Je t'ai pas oublié. Ouais, Schwalzer Steinitz, c'est... Bah merci ciel bleu, merci. C'est gentil. Donc du coup, ouais, on va rester concentré sur la partie. J'ai joué G4. Alors G4, c'est un coup un petit peu optimiste. Donc là, il va vouloir mettre le... Je vais jouer G5, il va jouer cavalier D7. Est-ce que je vais essayer de l'agresser encore plus ou... Alors moi, je vais jouer G5, ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire. Je vais jouer G5. Et quand sur cavalier D7, je vais mettre la dame en G3. Ah non! Ah non, d'accord. Ouais, mais là, ça va pas le faire. Là j'ai le petit F6 intermédiaire, je pense, Mégane, que t'avais zappé. Le petit F6, là, il fait mal. Alors, est-ce que je prends en G7 ou est-ce que je prends en D5? Bon, on va prendre en D5 avec la tour, en plus. Comme ça, on voit que j'ai toutes les pièces qui sont centralisées. Je contrôle les cases blanches. Le fou de case noire est dominé. C'est qui ton beau gosse préféré? Ça dépend de qui tu parles. Si tu parles de moi, merci. Je plaisante. Non, Tekfress, il parle très bien en anglais, Laurent. Il m'a même corrigé un truc il n'y a pas si longtemps que ça. Oula, dame C7. Ah, tu veux ressortir le fou. Mais maintenant, le pion H4 est protégé, donc je peux prendre en G7, Mégane. Ouais, ça s'est pas très bien passé la partie là. La position elle illustre bien le concept de mettre, de prendre du pion E pour se créer volontairement des pions doublés et ensuite utiliser la puissance du fou. Dame prend F7, c'est pas jouable encore maintenant, mais ça ne saurait c'est quand même dans l'air. Hein. J'ai envie de faire, du beau jeu là. J'ai envie de faire du beau jeu. Par contre, j'ai pas envie qu'il joue C4. Donc je vais jouer tour D1. Oui, non, mais n'importe quoi. J'allais dire, donc je joue C4 et je joue tour D1. Le truc qui a rien à voir. J'ai pas envie qu'il joue C4, donc je joue tour D1. On va jouer un petit coup de roi G2. Ah oui, mais j'ai un gain depuis tout à l'heure, d'accord. Je viens de le voir seulement maintenant. C4, donc. On empêche la dame. Hein. La dame ne reviendra plus dans le jeu. Ouais, j'ai raté tour F5, en fait, depuis tout à l'heure. On va jouer tour F5 maintenant. Je sais que tu as le temps au B-Fitness, mais bon, je vais pas t'appeler à 11h non plus, quoi. Ah, je viens de rater de tout reprendre. Ah non, ça marche pas encore. Là, on va avoir un plan assez basique. Regardez, on va mettre la tour sur F3. Et on va attaquer le pion F7 sans fin. Alors, est-ce que tour prend F7, ça marche? Tac, 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 dame C8. Ouais, ça doit marcher. Tour prend... Oh là non, il prend avec le roi. Ah non, ça va, il a pris avec la dame. Voilà, tactiquement, j'étais pas beau aujourd'hui. Merci Mégane pour la partie. Merci, ouais, c'était un peu passif. T'as été un peu passif. Alors j'ai un défi. Je vais passer le message. J'ai un défi que je ne prendrai pas. Et il sait pourquoi. Voilà, le message est passé. Wims, allez Wims. Qu'est-ce qu'on va lui faire à notre petit Wims? Allez, on va jouer au 4. On va jouer au 4 à Wims. On peut pas ne pas jouer au 4 à Wims. Oh là, la France. Oh, l'espagnol, j'allais dire. Merci à toi Mégane, et encore désolé de t'avoir fait attendre. J'avais pas vu ton truc, et ouais, après quand je l'ai vu c'était du 3+2. Et là à Wims on va lui jouer fou C4. Allez. On va faire les artistes. Fou B7, ça c'est vraiment l'artiste ça. F4. Fou E7 c'est pas hyper précis dans mes souvenirs. Mon petit Wims. C'est que j'arrive au bon moment. Avec... Pourquoi? Pour la partie contre Wims. Ouais. Extraordinaire. Ouais, en plus ça va être violent. Bonsoir à tous. Bonsoir Zlatan. Comment vas-tu? Il se débrouille comment, Wims? Pourquoi je m'entends? Ouais. Pour l'instant, rien de spécial, non? Ouais, juste pas ça. Bon, après, fou E7, c'est ce que je disais, c'est pas hyper précis, mais ça se joue aussi, donc bon. Pas de... Oui, Captain Morgan, elle était très intéressante, notre partie. Ouais. T'as bien joué, t'as trouvé un bon contre-jeu, je pense que j'étais pas bien. Je pense sincèrement que j'étais pas bien. Alors là, bon, non, j'ai envie de jouer G4, mais je pense que c'est trop tôt. Est-ce que Grand Rock c'est un coup ici? Parce que Grand Rock t'as toujours du K prend D4 et E5 qui traîne. Mais K prend D4, je vais peut-être pouvoir prendre avec la tour. Donc non, bah, je vais prendre avec le pion, je suis bâti à F6 qui traîne. Ça va être violent. Et je prédis une victoire au temps. Attention, c'est le roi du bullet, hein, Wims. Ah, le roi du bullet. Ah, ouais. Si tu me mets la pression comme ça, alors... C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Bah, il doit prendre à jouer E5, non? Ah, ouais, mais pion prend. Déjà, je vais faire pion prend. Et fou prend G4, dame bouge. Ouais, ça va pas du tout. Ah, ça, ça se passe bien. Je suis pas un joueur de sicilienne initialement, mais j'ai quand même appris 2-3 trucs. Là, notamment, je sais que si j'arrive à jouer H4 et F5... J'aime beaucoup la sausine, en fait. Je trouve que c'est une ouverture qui est vachement sous-estimée. Ouais, c'est possible. J'ai beaucoup travaillé pour mes élèves, ces ouvertures, ces trucs-là. Enfin, c'est possible, hein, c'est mon avis de jambon. Hein. J'ai absolument aucune légitimité à discuter de ces ouvertures. Mais ouais, c'est une ouverture, je trouve, qui mériterait un peu plus d'attention. Attention, Wims, justement. Attention, Wims. Chessbot arrive, Siana. C'est qui ça, Chessbot? Je sais pas qui c'est. Alors, tu sais qui c'est qu'on a en finale de la Sergi Pontois Chess League? Ça va te donner le sourire. Bon, le premier, non. On a payé... C'est Adrien, non? Ah non, ça c'est fini. Il a gagné la saison 4. Donc c'est la nouvelle, là. On avait pris un peu de retard, ouais. Donc il y a déjà une finale? Ouais, la finale a eu lieu. Adrien a gagné. Oui, mais pour la saison 4, il y a déjà une finale. Saison 5 maintenant. Saison 5, déjà... la finale à 3 va avoir lieu bientôt. Ouais. Bah, il y a Pierre. Et voilà, c'est le grand retour de Pierre. Le grand, l'inénarrable. Ça te fait forcément plaisir. Ah ouais, bah oui. King of the Nil. Très beau plateau. Hein. King of the Nil et Peyo Duboué. Que je connais moins bien, mais... Très bon joueur. Très solide. Très solide, d'accord. Ouais. Eh bien, écoute, on aura Pierre, hein, surtout, c'est Pierre, mais en fait, c'est juste... Ouais, de toute façon, c'est juste pour te défier toi, hein. Au final, il te défie tous toi. Pas sûr, non? Je sais pas. Ouais, c'est un peu, je sais pas, c'est bizarre, mais oui, c'est vrai que j'ai plutôt la cote, en fait, au niveau des défis. Oh, surtout avec Pierre, je suis content d'avoir la cote. Hein. Je sais pas si t'as la cote ou si c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont au moins une chance contre toi. Oui, bah j'ai la cote quand même. Wow. Je pense qu'il pense, ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il pense. Non, oui, c'est un peu... Pierre, pour rentrer dans son cerveau, hein, je te dis, il y a du boulot, hein. Et puis on n'a pas tellement envie, finalement. Non. Non, mais c'est sympa, en tout cas. C'est bien, moi, je trouve j'aime bien ces petits matchs. Je regarde, en général, je regarde pas tout, mais... Jamais vous regardez vous chambrer comme ça. C'est sympa. Ouais. Après, bon, Adrien, c'est moins marrant, quoi. Ouais, Adrien. Mais Adrien contre Pierre aussi, ça donne un beau match où il a été. C'était pire que moi. Hein. Il lui parlait encore plus sur son temps que moi. Non, mais il est très très bon, Adrien, en blitz. Je le pensais pas si bon que ça en fait. Ouais, il est très bon. Ouais, très solide. Bon fond de jeu. C'est un super joueur, mais en blitz, je le pensais un peu fébrile. Et en fait, non, c'est un très très bon blitzer. Ouais. Il doit jouer beaucoup. Il connaît bien son répertoire. Et il rigole pas, ouais, c'est sûr. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, Yannick. C'était très sympa et non, comme d'habitude. Je suis désolé à ceux que j'ai pas que j'ai pas accepté. Il y avait les Italiens, il y avait les, il y en avait partout. Les Italiens. Il y en a plein que j'ai pas pu accepter. Il y en a que j'ai pas voulu aussi accepter. Et voilà. Bref. À quand le road de non moi le road de 3100 je le fais pas moi. Ouais bon d'accord. En français au moment de porter la stockade à Laurent. Écoute, on verra. Bientôt, Wims, t'inquiète. Mais demain, alors Wims, oui, le rod de 3100. Oui, toi, t'as le rod à... Mais moi, j'ai eu plus que toi de max. Enfin, je veux pas... Je sais pas, j'en sais rien. J'ai eu 3250 à un moment, mais bon, c'était... quand j'y prêtais pas attention. Et puis, dès que tu commences à t'intéresser à ton Hello, mais c'est moins facile pour les gagner. Ou alors, je sais pas, je joue mal, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, demain, je jouerai pour ce Halloween tournoi de Chess24. Ça va être annoncé. Donc, c'est demain à partir de 17h jusqu'à 21h. Alors, je ne sais pas qui jouera. Ça va être annoncé. Tout va être annoncé, je pense, en dernière minute. Un peu comme toujours. Mais en tout cas, à partir de 17h, je jouerai. Mais je ne commenterai pas. Donc, ça sera l'inverse d'aujourd'hui. Vous pourrez me voir, mais sans entendre ma voix. Et j'aurai un masque. Et donc, vous devrez deviner... Vous devrez deviner chacun des joueurs, ce qui sera pas évident. Tout le monde aura un masque. Tout le monde aura un masque, les joueurs seront connus, mais tout le monde aura un masque. C'est ça l'idée. C'est l'idée d'Halloween. Bah, on fait les clowns pour Halloween. Voilà. Attends, je réponds à Richard Maxime qui me dit qu'il a les défis dans les premiers. Alors là, si je reviens à mes défis. Oula. Non, il a jamais été défié dans les premiers, non. J'ai pris dans les premiers, de toute façon, hein, j'ai tapé dans les premiers, et j'ai pris dans l'ordre. Hein, donc globalement, il n'y a que Mégane que j'ai pas vu, manifestement. Et qui m'avait défié en 3+2, et donc du coup j'ai dit que 3-0 c'était plus sympa, mais ça permettait à tout le monde de jouer. Mais non, j'ai fait aucune impasse sur qui que ce soit, hein. J'ai pris vraiment dans l'ordre. Hein. Alors, de toute façon, on en fait quand même pas mal. Et il y en a d'autres, regardez. Par exemple, en ce moment, il y a un Banter Blitz avec le Fonguard. Bon, on essaye de... Vraiment, bon, il y a aussi plus prestigieux que le Fong parfois, même si le Fong est un très bon joueur, faut faire attention. En blitz, oui, ouais, il est très dangereux. Et d'ailleurs, il fera sa dernière sur Chess24. Enfin, après, il lance sa chaîne Twitch, mais il sera toujours retransmis sur Chess24. Je serai avec lui samedi soir, un petit peu, et il y aura peut-être quart d'heure. Enfin, il y a plein de trucs ce week-end, donc abonnez-vous à tous, réseaux sociaux, si vous êtes déjà premium. Discord, venez sur le Discord. YouTube, Twitch, abonnez-vous, Facebook, Twitter, voilà, pour ne rien rater, pour être sûr de ne rien rater. Parfois, on l'annonce un peu en dernière minute. Et en ces temps de confinement et un peu de... C'est un peu compliqué, on n'avait pas tout à fait prévu ça. C'est possible qu'il y ait des événements qui arrivent en dernière minute. Il y a des grandes chances qu'on se voit tous un peu plus souvent que prévu. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te retrouve de toute façon pour le Champion Chess Tour à partir du 23 novembre. Avec plaisir. Ta casquette de commentateur. Merci Yannick, merci à tous. Merci à tout le monde. Ciao. Bonne soirée.